Bonjour à tous, je vais présenter cet appareil. Il s'agit d'un Foka 2 étoiles gravées, un PF2B. Donc, il est équipé d'un objectif au plat 50 mm ouvrant à 3,5. Donc, un appareil assez simple à utiliser. On a une sélection des vitesses et l'armement tout sur le dessus. Donc, avec une vitesse la plus rapide à 1000, la plus lente à 25. Sur ce modèle, on n'a pas de sélecteur pour les vitesses. En dessous de 25. Donc simplement on arme et on déclenche. Donc on va sortir l'objectif. On a un réglage des distances qui est juste ici. Malheureusement sur cet appareil, il y a le petit bouton qui vient juste ici qui permet de d'appuyer sur le bouton qui est juste en dessous qui est manquant. Voilà, ce petit bouton-là, normalement il y en a un deuxième qui vient par-dessus, et donc avec un petit ressort j'imagine, et on appuie dessus. Donc après le réglage de la distance, simple, on fait comme ça. Ouverture-fermeture du diaphragme, comme ceci. Donc là on est fermé. Là, on est ouvert. On va retirer le dos de l'appareil. On voit que les rideaux sont propres et bien lisses. On déclenche. L'appareil déclenche bien. Donc on est sur une vitesse rapide à 1000. On va mettre une vitesse à 50. À 25. Donc l'appareil déclenche bien. L'obturation n'est pas gommée. En pause, la pause revient bien. Je voulais vous montrer ouverture-fermeture du diaphragme. Voilà. Comme ceci. Et donc on a un télémètre qui est couplé au réglage de la distance avec une deuxième fenêtre dans la visée que l'on aperçoit, donc qui est jaune et donc qui fonctionne bien.